coup de projecteur aujourd'hui sur l'anxiété. Beaucoup de gens tombent dans le panneau d'être de mauvaise humeur ou d'avoir un peu de vague à l'âme et moins d'énergie quand il pleut. Quand il pleut, souvent, les gens sont pas bien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont du mal à faire ce barrage et à se raccrocher à des choses, à des projets, et à se raccrocher à eux-mêmes. En clair, la plupart des gens sont extrêmement vulnérables et complètement éponges, perméables à l'environnement. Et extrêmement. Alors, dans la vie de tous les jours, vous allez me dire, ça se voit pas trop. C'est, je dirais, au bureau, à la machine à café, les gens sont tous grincheux, donc je me sens pas anormal. Mais il n'y a pas énormément de conséquences brutales lorsque vous êtes négatif et perméable à l'environnement. C'est pas brutal. C'est quelque chose qui est délicat, qui est un peu libidineux, qui passe sous comme ça le radar. Et puis finalement, on ne s'aperçoit pas qu'on se fait du mal et qu'on devient négatif avec nous-mêmes. Mais ça se fait sur la durée, avec les années, tu vois. Sauf que là, depuis mars 2020, depuis le confinement, ça a été brutal. Parce que l'environnement, d'un seul coup, a changé. Et là, c'était pas juste une petite pluie ou un tracas où je me suis taché un vêtement et ça fout en l'air ma journée, ou quelqu'un m'a critiqué et de la semaine je dors plus, tu vois. Non, là ça a été fracassant. Et le niveau de stress a terriblement augmenté chez la plupart des gens qui sont perméables à l'environnement. L'idée, c'est que la plupart des gens, sont complètement bouleversés par l'environnement. Mais si je te disais que c'est aussi la palissade de dire que est-ce que tu peux contrôler le beau temps ? Et là, vous allez me dire, je ne peux pas contrôler le beau temps. C'est impossible. T'as raison, Franck. Mais est-ce que vous pouvez contrôler l'économie mondiale en ce moment ? Est-ce que tu peux contrôler l'état sanitaire mondial ? Alors, qu'est-ce que tu peux contrôler ? Et la plupart des gens n'ont pas conscience que la réponse est « je peux contrôler plein de choses ». Si vous demandez à quelqu'un ce qu'il peut contrôler, il va vous dire en ce moment, surtout s'il a du vague à l'âme ou s'il est dans le creux de la vague, même pire, très anxieux ou déprimé, il va vous dire « je ne peux rien contrôler ». Beaucoup de gens vont vous dire « mais non, je ne suis pas du tout, j'ai pas peur du tout, j'ai pas peur, moi peur, mais tu rigoles ou quoi ?» Non, je suis juste un petit peu anxieux. Sauf que l'anxiété, c'est de la peur. Oui, aujourd'hui, l'une des meilleures façons de se prémunir, c'est de renforcer ses défenses immunitaires et de prendre soin de sa santé mentale. Nous devons comprendre que le stress sur la durée, pas le stress de l'action qui nous galvanise et qui nous donne de l'énergie pour courir plus vite ou finir un dossier au dernier moment. Non, pas ce stress-là qui peut nous amener une petite vitamine C. Non, le stress sur la durée peut réellement, vous le savez, et on en convient, venir endommager nos défenses immunitaires. Alors, est-ce que c'est la solution de prendre des médicaments pour dormir, pour réduire le stress? Écoutez, nous connaissons tous dans notre environnement des hommes et des femmes qui prennent des antidépresseurs et qui continuent de déprimer, d'accord? Mais on nous laisse croire dans les médias, un peu partout, qu'on est malade. On est tous malades, on est tous bons pour la médicamentation. Sauf qu'il n'y a rien qui est cassé chez nous, il n'y a rien qui va mal.